De définir un profil, et la seule chose qu'ils arrivent à nous expliquer, c'est que c'est une population dépolitisée, volatile, que ce sont des conservateurs plus que des militants. Donc avec ça, débrouillez-vous. Donc là, encore une fois, ils ne peuvent pas nous dire si ça profite à Ségolène Royal ou à Nicolas Sarkozy. Alors quand on voit, par exemple, à Paris, que la plupart de la population dans les quartiers est de gauche, traditionnellement, bêtement, ça veut dire que ça peut être Ségolène Royal. Un élu socialiste de Paris m'explique que non. Politique de la vie française, les sondeurs. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des personnages politiques. Ils disent celui-là doit faire ceci, il va. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des objets, ils fabriquent des hommes politiques, ils fabriquent des programmes. Ils sont acteurs, mais ils ne sont pas soumis au règles du CSA. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent dire n'importe quoi, ils ne sont pas ni dans le minutage, ni dans le décompte. Mais on ne voit que. Ils ne prennent pas position. Mais si, enfin, quand vous dites à longueur de temps que tel. Je ne vais pas dire le nom des candidats, parce qu'on risque moi-même.